D'accueil pour des millions d'émigrés européens, l'Argentine figurait jusqu'aux années 70 parmi les pays les plus riches du monde, avec une industrie performante et une agriculture moderne, une population très bien formée, des classes moyennes prospères. Trente ans plus tard, l'Argentine est devenue un pays pauvre. En 1975, 2 millions d'habitants sur 22 vivaient dans la pauvreté. En 2002, 21 millions sur 36. Dans ce pays de lait et de miel, aux terres parmi les plus fertiles du monde, qui pourraient nourrir tout le continent américain, aujourd'hui, des enfants, des adultes souffrent de la faim. Entonces tenemos que ver las causas, porque si no únicamente que nos quedamos en el sentimentalismo. Yo digo que el pensamiento sin sentimiento es la gran tragedia de la vida. Pero el sentimentalismo únicamente de pensar que es mandar una limosna y decir ay pobre los niños que se mueren de hambre en otro lado, eso es hipócrita. Tenemos que ver las causas, ¿por qué se nos mueren los niños de hambre? ¿Por qué ha recrudecido las enfermedades endémicas en Argentina? Mal de Chagas, tuberculosis, parasitosis, lepra. ¿Qué eran enfermedades que se habían desterrado? La Argentina tenía una política sanitaria fantástica. ¿Por qué ha recrudecido todo esto? Décembre 2001, l'Argentine est secouée par une crise économique sans précédent qui dégénère en grave crise politique. Des milliers de personnes descendent dans la rue pour crier leur exaspération. La police donne l'assaut contre la foule et lui tire dessus à balles réelles. Bilan, 30 morts, des dizaines de blessés.